Jésus-Christ dit que le diable est un voleur. Il vient pour voler ta paix. Il vient pour voler ta joie. Il vient pour voler ton argent. Il vient pour voler tes enfants. Il vient pour voler ta santé. Il vient pour voler tes finances. Mais un voleur vient quand? Quand les gens dorment. Quand tu dors spirituellement. Quand tu ne pries plus assez. Que tu es endormi. Quand tu es endormi dans la chair, à cause de la faiblesse de la chair, quand tu ne veilles plus et tu ne pries plus, c'est là que le diable vient pour voler. Il cherche la fenêtre ouverte. Il cherche par quel moyen il peut avoir accès dans ta maison. Il essaye d'entrer par la porte convoitise, par la porte amertume, par la fenêtre rancune, par la fenêtre jalousie, par la fenêtre méchanceté. Il cherche une fenêtre ouverte. Il cherche une porte que tu as laissée ouverte pour entrer. Alors, il faut le résister. Mais comment peux-tu le résister? D'abord en te réveillant, en veillant et en priant. Et comment tu peux encore le résister? En fermant les fenêtres d'accès, en fermant toutes les fenêtres par lesquelles il peut entrer. Sinon, si vous ne fermez pas l'accès, si vous donnez accès aux démons, le voleur va rentrer dans les démons, dans votre maison. Vous allez passer toute votre vie, tout votre temps à vous chamailler avec lui, à vous battre avec lui, au lieu de passer tout votre temps à contempler la grandeur et la splendeur de Jéhovah.